Bonjour à tous et à toutes, je suis Ranus et bienvenue dans cet épisode 3 de Breath of Fire 2. La dernière fois, après une petite séance de farm un petit peu longue, environ 15 minutes pour moi, nous avons pu explorer une caverne, battre 3 demi-boss ailés, battre un boss de type cafard, battu plein de cafards, récupérer le cochon que nous étions censés chercher, et nous avons eu en ce moment même le droit d'avoir Beau, qui est donc recherché pour vol, sauf qu'en fait c'était pas lui, mais nous devons nous débrouiller tout seul à partir de maintenant. Et pendant que je vais faire le chemin au retour pour vous expliquer un peu le délire, c'est que j'ai déjà enregistré cet épisode. Je l'ai enregistré une première fois, environ 20 minutes. Sauf que j'ai besoin, comme vous le voyez, mon niveau est assez faible. J'ai besoin en fait de farmer. Sauf que c'est long de farmer. Là, pour vous dire, il me manque 200 points d'XP. Et 200 points d'XP avec des combats qui tournent entre 6 et 20 points par ennemi ou groupe d'ennemis, c'est assez peu. Alors, par exemple, voilà, 6 d'XP, c'est vraiment de la merde. Sauf pour ramasser un peu d'argent qui me serait utile. Je sais ce que je suis censé faire, je me suis un peu aidé. Mais pour le moment, je vais juste vous montrer ce que j'ai fait, ce que j'ai effacé durant ma précédente session. C'est-à-dire que là, je vais aller à la ville, la prochaine ville, acheter de l'équipement. Notamment une meilleure épée pour infliger plus de dégâts, augmenter ma défense et farmer pendant peut-être 20, 30 plus sûrement. Je pense même que cet épisode sera exclusivement du farm pour tout vous avouer. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, je sais vraiment pas combien de temps ça va prendre, mais je ne peux pas. Je le dis, et c'est la faute du jeu, de la version française du jeu, attention. Alors là, c'est la version française du jeu. Autant dans le premier, bon, voilà, faut faire le jeu à 100%, comme dans d'autres jeux dans le futur, tels que Rayman, où pour la vraie fin, faut le 100%. Là, c'est de la faute de la version française du jeu. Du coup, maintenant que ces explications sont faites, et que vous savez un peu le délire qui va se passer dans cette vidéo, je vais donc acheter mon équipement. Alors que je suis pour vous. Eh bien écoute, je vais te prendre. Ouais, j'ai 800 de thunes. Je vais prendre une épée bronze. Je vais prendre. Voyons, c'était quoi? Une cuir. Et voilà. Déjà au moins ça. Pour l'équiper. Donc Ryo. Voilà. Plus 4 de. Plus 4 d'attaque. Plus 4 de défense. Avec un petit peu moins de santé. Voilà, comme vous le voyez, j'ai 600 d'XP environ sur 800. 250 points d'XP. C'est très, 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 très long. C'est très, très long. Donc du coup, je vais aller me reposer gratuitement dans la maison ici. Et je vais continuer l'aventure. Je sais où je dois aller. Mais avant d'entrer dans le village, avant de vous montrer la suite de l'histoire, en gros, ben, je vais farmer et ça va vraiment être très long. Heureusement que vous n'aurez pas supporté tout cela. Du coup, exceptionnellement, je pense que ce sera pas une session de 1 heure, mais peut-être de plus. Salut gamin, tant pis. Voilà, du coup je pense que dès que je suis sorti, ben, moi, je vais accélérer un petit peu tout ça, et puis voilà. Du coup, j'espère quand même que vous passez un bon moment. C'est parti! Petit aparté. Là, normalement, pour vous expliquer, je suis à Corsia. Corsia, c'est une des villes dans lesquelles je dois me rendre. Je vais pas aller plus loin. Tout ce qu'il y a à savoir, c'est que je dois rentrer dans ce peuple pour continuer la quête.
Mais petit calcul. Petit calcul ensemble. Là vous voyez l'hôtel 20 zéniths par nuit pour full restauré, que ce soit PV, PM. Enfin AP selon le jeu. Et alors que si j'achète simplement une herbe, normalement ça doit me revenir moins cher si je me souviens. Voilà, une herbe. Enfin deux herbes, ça me revient à plus de chance. Donc du coup je vais me bourrer d'herbe à chaque fois pour après. Tiens, c'est quoi d'ailleurs ça? Redonne 20 PM. Je pourrais acheter mais non. Vitamine, ça je sais. Instar PV et capacité trop cher. Alors la fumée, ça coûte trop cher et ça sert quasiment à rien. L'alarme, pour le moment, non merci. Vitamine, non. Antidote à la limite, mais j'en ai, je suis pas spécialement. Je n'ai pas spécialement besoin. Enfin, là pour le coup, si, mais plus tard. Ça, ça pourrait être utile, mais je vais attendre un peu. Et puis de l'herbe. Donc, du coup, à chaque fois, je vais farmer l'argent et puis aussi un peu de bad XP. Et puis, je pense dès que je serai niveau 8 ou 9, tout dépend de comment je gère, et ben je continuerai et je vous reviendrai. Enfin niveau 8 après un bon quart d'heure de farm, j'ai pu pexer pas mal d'argent, ce qui va me permettre d'acheter quelques trucs, notamment de l'herbe. Voilà, une dizaine d'herbes, un deuxième antidote parce que j'ai dû en utiliser un. Et oui, je vais quand même un peu regarder ce qu'ils ont en matière d'équipement. Alors, ça c'est pour beau. Voyons, cuir, non. Ah, ça, ça pourrait être bien. Un casque de guerrier. Allez hop, je le prends, je réfléchis pas. Il me reste un peu de thunes quand même. Alors voyons, équipement de beau. Tac tac tac, bronze, ah parfait, 3 points. 3 points de défense en plus. Toujours utile. Et là il me faut 500 d'XP. 500 d'XP. C'est une vaste blague. Là ce que je vais faire, c'est que je vais trouver une... un point de sauvegarde. De manière assez rapide. Hein. Bon, on se fait un petit peu de thunes quand même. Je vais essayer de trouver un point de sauvegarde dans la ville s'il y en a un. Sinon, bah, je vais devoir tricher et utiliser une petite 68 sans. Hélas. Vous m'en excuserez. Pas de moi, j'espère. Bon, il n'y a pas de dragon ici. Donc, j'ai fait une petite 68 sans. Désolé. Voilà, c'est comme ça. Là, je suis actuellement dans le pub. Et je vais parler à ce personnage pour continuer l'histoire. Tu recherches une femme étrange? Et pourquoi? Les gens se rassemblent ici le soir. Et pourquoi pas leur demander à ce moment-là? Tu veux faire passer le temps? Oui, pas le choix. Pas le choix, vraiment pas le choix. Et là, oh là là, il y a du monde. Et il faut parler à ce personnage-là. Quoi? Tu vas rencontrer la fille du combat? Mais c'est impossible, tous les billets sont vendus. Si tu veux absolument voir le show, pourquoi ne pas participer au combat? Mais le premier adversaire de la compétition est toujours Baba. Rien à voir avec un autre personnage. Un personnage de type animateur de télé que je ne citerai pas. Et donc voilà, normalement il faut que j'aille juste là, vraiment. Le Colisée il est là, sauf que donc. Là, il y a des barrières, je ne peux rien faire. Le Colisée n'était à l'origine que des ruines. Maintenant, c'est un lieu où tous les hommes de valeur provenant du monde entier viennent pour concourir.
Une femme est prévue pour le combat, mais j'ignore qui elle est. C'est quasiment garanti qu'une femme entrant dans un show comme celui-là sera coriace. Alors je suis d'emblée son fan. Et puis Jean-Mi et Jean-Michel qui me pètent les burnes. Et donc là je suis full PM. Ce qui va se passer, c'est que je ne dois pas continuer là. Mais. Et oui, c'est le petit twist. C'est que je dois continuer tout en haut pour aller plus loin. Pour aller à Boitag, voilà. Pour aller soit à Boitag, soit à Ventia, sauf qu'il faut que j'aille à Ventia. Donc, l'ouest. C'est parti. Qui vais-je rencontrer sur ma route, à part des gens qui vont me... Ah non, moins de dégâts. Il y a un petit peu moins de dégâts. Mais quand je dis un peu moins de dégâts, c'est vraiment... Allez, quoi, deux, allez. Pour le petit démon, je dirais qu'il y a, allez, 4 points en moins. Pour le Bilboul, il va y avoir 2 en moins. C'est quand même, quelque part, un début. Et je continue de me faire un max de thunes, sachant que les petits démons sont ceux qui rapportent le plus d'argent. Bon, je vais passer jusqu'à ce que j'arrive avant Tia, ou au moins dans une zone intéressante. Ok, c'était donc pas à Ventia que je devais aller, mais à Boitag. Je retiens. De toute façon, un claquement de doigts et vous n'aurez rien vu. Donc, après cet échec, nous allons nous rendre à Boitag, qui se trouve juste au-dessus. Bien entendu, je vais devoir me battre. Vingt de thunes, pas mal. Boitag qui se trouve être ici, petit bois sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a un coffre. Bah déjà, voilà, première chose, un coffre. Premier combat de la zone. Sale bait. J'aime pas ça. Raté, ok. D'accord, donc 12 XP, wow, ça, c'est nul. Bon, puisqu'on a d'autres. Ah, il y a un personnage là. Enfin, je crois que c'est un personnage. Je vais essayer d'aller le voir. Qu'est-ce que c'est ça? Une cabane. Alors là, on a une sale bête et une harpie. Je vais prendre la sale bête en premier. J'ai très peur des compétences de la sale bait. Parce que là, je sais pas si c'est fait exprès. Oh bah oui, soigne. T'as raison. Je suis sûr qu'il y a, un truc avec la sale bait. Peut-être m'occuper de la harpie finalement. Putain, je le savais. Je l'ai vu. Je l'ai vu très fort. Donc. Je pense avoir compris le pattern de la sale bête. C'est-à-dire que en attaque normale, aucun dégât. En attaque critique, ça touche.
100%, 100% ça touche. Mais ça inflige la max de dégâts. Mettre un peu d'ordre quand même. Et utiliser une petite herbe quand même. On va essayer d'aller vite quand même. J'ai pas envie de... Si je tombe sur... Oh, je suis sûr que je vais tomber là-dessus à un moment. Si je tombe sur sale bête cannibale, alors là, je rage quitte et voilà. Ça va m'énerver si je tombe sur ce truc-là. Oh, il y en a, mais c'est pas vrai. Ouf, riposte. Ok, riposte et attaque. Ça marche. Donc j'ai vu un coffre et puis j'essaierai d'aller en bas. Oh bah oui, oh bah oui. Sous. D'accord. Utilisé pour de la pêche, mec. Ok. Alors faut que j'aille où? Faut que j'aille que droite. Oh, double cannibale. Oui, mes meilleurs amis. Le meilleur duo de monstres que je puisse avoir. Parfait, riposte attaque sur le même. Toujours ça de prix. Oh, c'est un cul-de-sac, super. Par contre, je sens pas ça. Il y a un truc que je sens pas, ça va être le personnage. Sale bête. Oh, c'est bon, ça touche pas. Ça touche pas. Je la sens tellement pas. Il y a un moment, je la sentirais pas. Mais genre maintenant, je le sens pas. Il y a une douille quelque part. Et si c'est la grosse douille. Autant vous dire que ça va m'énerver. Je me... Bah la grosse douille, déjà, grosse douille numéro 1, je ne vais pas passer par là. Donc, on remonte. On prend le chalet. Et voilà, première douille. J'ai esquivé. J'ai esquivé un critique. Celui-là, je la pose. Celui-là, je le bouffe. Obligatoire. J'ai quand même esquivé un critique. Je suis assez fier. Alors. Ok. Alors il y a un coffre. Qui est pas loin de moi. Que je vais aller tenter de le prendre. Là, il me reste 8 herbes. 8 herbes, ça peut passer. Ça peut passer. Je dis pas que ça va le faire, mais ça peut. Ryu obtient fumée. Peut-être qu'il faudrait que j'utilise la fumée, j'en ai deux. Alors, on a compris, l'arpie en premier. Je la bouffe. Tellement fort. Arpitre, ok, les harpies, j'ai one shot. Je la bouffe. Je la bouffe, voilà. Trois critiques de suite. Ah oui, une riposte, pas mal. J'ai pris trois critiques de suite. Qu'est-ce que tu veux que je fasse comme ça? Alors oui, ça fait de l'XP, mais je m'en fous de l'XP. Est-ce que j'ai pris le bon chemin? Je suis en train de remettre... Le 4, alors là c'est le pire combo que je peux trouver. Non, le pire combo d'ennemi que je peux trouver, je cherche même pas à savoir ce qui se passe. Attaque surprise, bon celui-là je peux me le faire. Voilà, ça va. Bon, je vais craquer une fumée. Ah, je pensais avoir moins de... Oh, je sais tellement pas. Ah, oui, toi. Alors toi,
toi, allez, ça passe. Please, please, dites-moi que ça passe. Baba, tu veux combattre à ma place? T'es malade? Tu cherches des ennuis? Et merde. Et merde. Merde. Oh putain. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait cri. Est-ce que je regrette? Je regrette actuellement ce choix. J'ai une riposte. Oh la vache, je regrette tellement d'avoir fait cri. Ok, pour le moment. Alors, Babadel, ok. Coup fort, donc un petit critique, un 58. Le soin. J'ai même pas là le... Je me soigne. À la limite, je retournerai dans la forêt quand je serai plusieurs. Deuxième critique. Oh là là, les critiques qui me sauvent la vie. Pff, putain, merci les critiques. Bon, j'ai perdu. D'accord, je peux pas participer. Je ne participerai pas au combat. Tu vas prendre cette hache avec toi. Yes. Il y a toujours quelqu'un de meilleur que soi. Je ne combattrai jamais plus. Ouais, et donc j'ai une hache. Enfin, je... Ah, ouais. Le symbole de Baba, ok. Donc, j'ai la hache. Et je fais tout le chemin arrière. Je fais vraiment tout le chemin arrière. Oh, please, dites-moi que c'est une blague. Je crois que c'est pas une blague et que je dois vraiment me retaper tout le chemin en arrière. Je crois que là le jeu est en train de me tester. Le jeu est en train de me dire allez, allez, vas-y, 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 allez. Donc je vais sortir de la forêt. Je vais sortir de la forêt. Non, je vais sortir de la forêt. J'y retournerai quand je serai avec Beau. Sûr et certain. Quand je serai avec Beau, je ferai un tour pour XP. Pour regarder s'il ne me manque rien. Ah, que je n'ai rien raté dans la forêt. Ok, pour le moment ça va. Et puis, dès que je sors, eh ben, on va s'arrêter parce que ça fait 50 minutes à l'heure actuelle. Pour moi. Je le rappelle, hein, entre 50 minutes et 1 heure de record pour ma part. Non, on va fuir. Dès que je peux, je fuis là. Allez. Donc, le premier Troy. Et le deuxième qui est juste à côté. Si je me souviens bien. Oh, quel souvenir incroyable du joueur français. Incroyable. Il se souvient. C'est quand même pas mal. Et maintenant, il se barre vite. À la limite, avant de commencer le Colisée, enfin la série de combats, je pense, parce que si c'est pas une série de combats, qu'est-ce que ça va être? Je ferai du level up jusqu'au niveau 9. Mais pas maintenant. La sortie, elle est là. Je suis sûr que j'ai loupé plein de trucs, mais pas envie. Attaque surprise, bon allez. C'est des ennemis gratuits. Ok, je suis sorti, direction la ville et. Stop.
Ah, mais évidemment, casse-toi. Non. Putain, mais même pas, il me fait une riposte. Si, il m'a fait une riposte. Merci. Ok, ça c'est de la grosse chance que j'ai eu. J'ai eu vraiment de la chance là. 8! C'était sérieux le jeu? Putain, j'ai pris 8 de dégâts, mais comment? Je suis censé avoir plus de défense. Quelle saloperie le jeu. Voilà. Du coup, moi je vais aller à l'INN. Je vais dépenser 30 balles pour le full recoverer. Bonjour monsieur, je vais aller dormir. Ah non, c'est 20. Ok, je pensais que c'était 30. Mauvais calcul de ma part. Mais j'oublie très vite. L'énervement sans doute. Voilà, j'ai bien dormi, je suis bien. Oh là là, qu'est-ce qu'on dort vraiment très très bien. Parfait, du coup maintenant je vais m'arrêter là. Merci d'avoir suivi cet épisode 3 qui je pense aura été très court parce que j'ai enlevé plein de trucs. Notamment les fois où je serai mort deux fois. Que vous ne verrez pas évidemment. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, à commenter si vous avez une méthode pour faciliter le jeu. Ce qui me serait utile, je ne vous le cache pas. À vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas rater la suite et à regarder un petit peu ce que je fais d'autre en ce moment et à même à regarder l'ensemble des vidéos que je produis si jamais cela vous donne envie. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite de Breath of Fire 2.